Thank you.
pouvez passer par devant là, pour aller, elle peut arriver plus vite. Bon, passer de ce côté-là. Ok, mais sauf que... Thank you.
Monsieur le Premier ministre sortant, messieurs les anciens premiers ministres, chers collègues, ministres et secrétaires d'État, mesdames, messieurs les ambassadeurs et consuls accrédités en Haïti, mesdames, messieurs les autorités politiques, législatives, civiles, religieuses, etc., mesdames et messieurs, chacun en ses titres et qualités. Prendre la parole aujourd'hui est très difficile pour moi, mais je dois le faire. Immense est notre perte. Infinie notre douleur. À cette perte et à cette douleur, je veux dire que le moment le plus difficile pour moi, c'est le très touché exercice, mesdames et messieurs, de prendre la parole à présent en cette cérémonie d'hommage au président Jovenel Moïse. Un homme intègre, réaliste, nationaliste, patriote, qui, comme le père de la nation, Jean-Jacques Dessalines, lui-même assassiné, a pensé à ceux-là dont les pères sont en Afrique. À la vérité, je suis là pour parler, pour dire un mot en l'honneur d'un homme, d'un chef d'État avec qui j'ai collaboré pendant 4 ans et 5 mois, pendant toute la durée de son mandat. De son avènement à la première magistrature de l'État jusqu'à son assassinat. Et avec lui aussi, j'ai suivi 87 conseils des ministres. À la vérité, dans la nuit du 6 au 7 juillet de l'année en cours, le président Jovenel s'est retiré de la vie terrestre, lâchement assassiné par des mercenaires colombiens, américains et haïtiens, agissant à la solde des oligarques corrompus de ce pays. Mais je sais, comme les premiers qui ont été assassinés, je vais parler du père de la nation, Jean-Jacques Dessalines, de Sylvain Salnave, de Jean-Jacques Dessalines, Michel Saint-Sinatus Lecomte, de Jean-Simon Villebrun, Guillaume Sam. La mort, l'assassinat du président Jovenel Moïse ne doit pas passer inaperçu. Et aujourd'hui, la principale priorité pour nous, c'est justice pour le président Brivan, pour le président Jovenel Moïse. Je me dis un mot. L'histoire retiendra ceci du président Jovenel Moïse. À défaut de l'éliminer électoralement, 22 mois de campagne pour être président, de l'éliminer moralement, économiquement, politiquement, socialement, mystiquement, les oligarques corrompus l'ont finalement éliminé physiquement. Mais le rêve du président Jovenel doit persister. On n'a pas éteint son soleil, on a seulement écarté des rayons. Je veux dire, sans vouloir exagérer, à l'instar de Jésus-Christ qui avait donné sa vie pour sauver l'humanité, le président Jovenel Moïse s'est offert en holocauste pour aboutir à la libération d'Haïti. Mais je me réjouis d'une seule chose. Fidèle à sa conviction, il est parti avec bravoure
comme il a vécu. Mes sincères condoléances à Madame la Première Dame, à ses enfants et à tous les membres de la famille éplorée. Merci. Monsieur le Premier ministre, entrant. Monsieur le Premier ministre, sortant. Chers collègues, mesdames, messieurs, du corps diplomatique et consulaire, mesdames, messieurs, à vos rangs, titres, grades et qualités, mesdames, messieurs, très jours après l'assassinat horrible, crapuleux, écœurant, atroce du chef de l'État, le président de la République, Son Excellence Monsieur Jovenel Moïse, le pays tout entier se plonge dans une tristesse énorme. À bien entendre les informations qui circulent sur toute l'étendue du territoire depuis le même jour, le monde entier désapprouve à l'unanimité cet acte lâche, barbare et inhumain. Si nous avons campé là, nous n'avons pas capable de venir. Et nous avons accompagné de ministres, touristes, qui sont parmi quatre femmes qui sont dans le gouvernement, qui ne sont pas en parler à cause. Avant de finir dans le gouvernement, tant de toujours dit que le ministre n'a pas de une bonne relation avec le président du pays. Mais nous-mêmes, ce n'est pas ça. Nous le président a toujours dit, oh, ma soeur, on s'arrête. Nous sommes dans ensemble. Chaque fois, nous avons été 5 fois, 6 fois. Oh, ma soeur, on a le fond de parler. Président Jovenel, c'est un monde qui aime les femmes en pile, ou bon femme. En tant que ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, et ministre des Affaires sociales et du travail, je ne peux me passer de cette occasion pour dire à mon président, à notre président, va en paix, mon frère, et la lutte continue. Tu vas compter sur nous qui étions à tes côtés. Pas de bon gouvernement. Bon, ça c'est président, bon, ça premier ministre, etc. Nous t'es toujours François. Au Conseil des ministres, nous étions libres à dire tout ce que nous pensons ou tout ce que nous avons apporté pour le bien de notre pays. Si nous battons dans le gouvernement, détendez le monde à parler de président Jovenel, je suis arrivé à sa finale, je dis, quand n'importe qui monde comme ça, madame prendre votre regard sur ça, même si nous avons un petit, il est vraiment gagné.
détermination pour changer le pays. Nous prenons des arrêtés. Nous prenons des décrets. Et pour le bien du pays, parce que j'ai entendu dire par plus d'un que ces décrets avaient été pris en conseil des ministres, serviront pour le développement de notre pays, pour le bien de la population haïtienne. Tout le monde perd. Oui, tout le monde perd. Qu'on riche, qu'on blanc, qu'on nègre, qu'on pauvre, qu'on lettré, qu'on intellectuel, nous tous perd. Mais nous ne pouvons pas camper là. Je viens du Nord, comme le président. Et la lumière vient toujours du Nord. Et nous allons continuer la bataille pour que le président Jovenel Moïse ait justice. Sa femme, mon ami, Martine Moïse, n'a planté café dans tout le monde dans le pays. Là, le plan de bien moi. Parce que nous voulons un pays, nous belles dans le tout le pays. Parce que nous devons en notre Haïti. Côté des pillages, des tout bagaille. Vous m'avez dit n'importe qui ça vous voulez. Mais nous avons un ministre avec Chita là. Vous avez 50 000 gouttes comme ministre. C'est vous qui avez une autorisation. Vous prenez 50 gouttes comme ministre, vous avez gagné. Lapidation de caisse. Pays à Jean Mounio a dit dans le gouvernement. Et nous souhaitons tout le monde qui vient en bienvenue. Et on parle de travail, le travail conséquent que nous faisons, que nous quittons en 2000. Président Jovenel, parlons. Allez en paix. Allez en paix, nous d'ailleurs. La lutte continue. Et nous avons puis nous allons le mettre. Moi-même, avec Madame Président, nous avons le rapport. Assez et toi. Dans la caille président, j'étais dans le salon avec madame Nina Pali. Le président va continuer de la caille là. Il est venu. Et puis, madame l'a levé du bas Chita. Je dis, président, on connaît un bâtiment de rendez-vous avec vous. J'ai tombé, oui. Et puis, monsieur dit, écoute, je vais aller rencontrer là, je vais aller me rencontrer au métal. Donc, c'est comme ça, nous vivons, on a quitté la caille là. Malé, et puis l'hôpital et l'imboudim que j'ai une rencontre habituelle avec les politiques pour une issue heureuse à la crise. Et à la faveur du changement, le gouvernement intervenu en mars 2020, il a daigné me nommer effectivement à la tête de la diplomatie haïtienne. À force d'échanger et de partager des points de vue avec le président de la République, j'ai fini par épouser ses idées et par partager les grands projets qu'il voulait réaliser pour le plus grand bien du pays, tels que l'électrification, les infrastructures routières, portuaires et aéroportuaires, la modernisation de l'État, la consolidation de la démocratie, de l'État de droit et j'en passe. Puis, suite à la démission du Premier ministre Joseph Jout en avril dernier, pour convenance personnelle bien sûr, il a placé sa confiance en moi en me choisissant comme Premier ministre à intérim. Ce faisant, le chef de l'État voulait laisser la porte ouverte à la nomination d'un Premier ministre définitif qui serait issu de l'opposition politique avec pour mission de former un gouvernement d'union nationale sur la base d'un accord politique. En tant qu'homme d'État très conscient des lourdes responsabilités qu'il incombe, et fidèle à son engagement de travailler à la stabilité sociopolitique du pays, préalable, indispensable au développement national, il était plus que déterminé à résoudre définitivement la crise politique qui, disait-il souvent, n'avait que trop duré. Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, mes chers amis, Victor Hugo disait que la mort ne surprend point le sage, il est toujours prêt à partir. À l'instar du père fondateur de la patrie, le président Jovenel Moïse savait qu'il allait partir. L'empereur Jean-Jacques Dessalines disait, après ce que je viens de faire dans le Sud, si les citoyens ne se soulèvent pas, c'est qu'ils ne sont pas des hommes. Par cette phrase emblématique,
il a signé son arrêt de mort. La nation haïtienne est frappée durement. Notre pays est meurtri par la disparition brutale du chef de l'État, son Excellence, M. Jovenel Moïse, dans des conditions d'une extrême barbarie. Haïti, terre de liberté qui, dès le début du 19e siècle, a su dire non à la barbarie, non à l'exploitation de l'homme par l'homme, vient d'être le théâtre d'une action sordide qui a coûté la vie au premier mandataire de la nation. La conscience nationale, voire la conscience humaine en est révoltée. Le pays tout entier, le pays profond, est en train de pleurer son président qui était d'une sensibilité extrême pour les masses populaires, d'une très grande proximité avec les classes travailleuses. Partout à travers le pays, et même à l'extérieur, du moins au sein des causes saines de la population, on réclame à juste titre justice pour le président Jovenel Moïse. Alors, il y a une anecdote, il y a un monde qui compare le président Jovenel Moïse avec Dessalines. Je crois que son comparaison qui gagne toute importance. Et une seule différence, Dessalines qui mourit, le monde qui touille le c'est qui a défini l'agenda politique là. Et ils ont imposé pour ne pas citer nos Dessalines dans le pays pendant environ 50 ans. C'est le contraire avec le président Jovenel Moïse. Si vous voulez gagner un avenir politique certain, et en pile attention de sortir sur Jovenel Moïse dans le pays jeudi. Et c'est un martyr, nous tous, parce que il y a des rêves pour le pays. Il y a des rêves pour le monde qui reste pour quoi. Il y a des rêves pour le monde qui vit dans le pays en dehors. Les différents avec Dessalines, parce que tout de suite nous finissons tous, c'était penser que le peuple a pris la rue. Vous avez pris un col, vous pouvez le jeter. Ce n'est pas le cas. En France, nous avons des manifestations. Dans le Nord, nous avons des manifestations qui ont des justices. Ah ouais, nous avons des justices. À Port-au-Prince, nous avons ces populations. Deux concerts avec la police nationale d'Haïti qui traquaient en pile dans la Colombie. Il y a une différence. Désormais, il y a le jovenelisme. Jean Richard Doré, ce que tu as parlé là, qui a pris forme. Il a pris forme dans tout le pays parce que vous capouillez un révolutionnaire et vous ne pouvez pas assassiner la révolution. Vous capouillez Jovenel, vous ne pouvez pas capouiller Jovenelisme. Vous ne pouvez pas capouiller ça, le Jovenelisme. Parce que c'est une idée, c'est le courage, c'est la détermination de combattre les oligarques de ce pays. C'est ça qui est Jovenelisme. Pour pas capouiller ça. Ou assassiner tout journaliste. On va jamais capouiller journaliste. La lutte pour l'égalité sociale en Haïti a subi une effroyable défaite face aux forces obscurantistes qui n'hésitent pas à semer le deuil dans les familles haïtiennes. Le plus grand conteur humoriste haïtien du XXe siècle, Maurice Sixto, il a déclaré dans un de ses discours « La mort de tout homme me diminue. La mort du président Moïse a mis fin à son élan patriotique, a envoyé au calendre la réalisation de l'un de ses rêves les plus chers, à savoir la justice sociale en faveur des classes défavorisées qui permettrait aux déshérités de pouvoir satisfaire leurs besoins primaires, d'accéder aux services sociaux de base et d'intégrer librement et sans entrave aucune le marché du travail. La disparition brutale et tragique du premier mandataire de la nation marque un coup d'arrêt dans la lutte contre la corruption, dans le processus d'électrification, de modernisation de l'État et des infrastructures du pays, entre autres choses. Le président Jovenel Moïse est mort pour ses convictions politiques et sociales, pour ses idées de changement et pour sa vision du développement durable de la nation, et surtout pour sa volonté de bâtir un lendemain qui chante pour tout un chacun, particulièrement pour les paysans de l'arrière-pays, les enfants des ghettos et des bidonvilles, bref, pour toutes les couches
les plus défavorisés de la population haïtienne. Au moment où nous pleurons notre bien-aimé président et que nous nous inclinons devant sa mémoire qui doit demeurer à jamais vivante dans la conscience collective, nous devons prendre l'engagement solennel de faire en sorte que ses idées ne soient pas mortes, que les aspirations au bien-être et au progrès des classes défavorisées qu'il portait avec force et détermination ne soient pas ensevelies avec lui. Comme disait très justement l'autre, on peut tirer à boulet rouge sur quelqu'un jusqu'à l'éteindre physiquement, mais jamais on ne saurait éteindre ses idées et sa conviction. Criminel, il y a un plan. Oligarque, il y a un plan. Plan, c'était détruire caractère président. Détruire caractère président jusqu'à ce qu'il isole moralement et psychologiquement. Ensuite, tuer. C'était plan. Monde qui l'a eu, monde qui réclamait yo de ce courant de pensée, soyez fort. Parce que attaque yo de vous revenir sur nous. Le gain pour tenter assassiner caractère nous, isoler nous moralement et psychologiquement, ensuite détruire nous physiquement. C'est le cas. Le sang du président Jovenel Moïse a coulé pour l'émergence d'une nouvelle Haïti. Jamais, plus jamais, de telles atrocités, de tels actes de barbarie ne doivent se reproduire sur le sol haïtien. Les assassins, les auteurs, les complices, les auteurs intellectuels de ce acte odieux doivent être poursuivis et traqués dans leur dernier retranchement, arrêtés et jugés conformément à la loi. Nous souhaitons vivement que le nouveau gouvernement, qui prendra charge sous peu pour conduire la Banque nationale jusqu'aux prochaines élections, fasse sienne cette responsabilité et mette tout en œuvre pour l'assumer. Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, mes chers amis, Haïti ne doit pas disparaître et ne disparaîtra pas. C'est notre conviction profonde, malgré les vents contraires qui souffrent de partout. J'invite donc tous les amis de l'opposition, toutes les forces vives de la nation, à faire front commun, à enterrer la rage de guerre, une bonne fois pour toutes, pour adresser solidairement et sereinement les vrais problèmes de la nation en vue d'y apporter des solutions viables et durables. L'assassinat lâche et crapuleux du président de la République, M. Jovenel Moïse, constitue un véritable drame national. Nous avons pour devoir de le considérer comme tel. Personne, y compris ses auteurs et co-auteurs, ne peuvent en tirer un quelconque profit. Essayons de faire de ce drame national une opportunité.
côté de l'eau pour me dire différent.